pour Céline Galipo, comme ça. Surtout comme ça, quand je suis assis comme ça en avion puis que j'ai mon laptop sur les genoux, c'est on me demande êtes-vous Céline Galipo? Bonjour Madame Galipo. Là, tu as une confusion entre eux et moi, je leur explique, non, mais je ne suis pas Céline Galipo. Un peu comme Jean Coutu n'est pas Jean Coutu. Alors, ça, les gens, ils vont de toutes sortes de phrases, de toutes sortes de confusion. Les gens, justement, les gens se perdent en confusion. Alors, on me le demande quoi? 5 fois par semaine? Je sais pas, ça devrait faire une fois par jour. Bonjour, Madame Galipo. C'est voilà. Madame Galipo? Non, je sais, même tout le monde me prend pour Céline Galipo, mais... Fuck, man, tu ressembles bien trop à Céline Galipo, c'est malade. Ah, je sais. Bonjour Madame Galipo. Ah, vous prenez l'autobus? Ben oui, aussi comme ça, quand je suis assis comme ça avec mon laptop dans l'autobus, les gens se confondent autant que dans l'avion. Mon doux, Madame Galipo, elle vous serait un gros reportage? Vous êtes sur un reportage international, Madame Galipo? Je dis, oui, je travaille sur quelque chose d'international, mais je ne suis pas Céline Galipo. Je suis désolé. Tout de suite, les gens se désintéressent de ce que je fais. Mais bon. La seule chose, c'est que ça cause des dangers d'accident. Madame. Oh! Madame Galipo? De Radio-Canada? On fait attention, hein, avec ça. On va laisser faire cette fois-ci. C'est un avertissement, okay. Mais... attention, oui. Félicitations pour votre beau programme. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci, merci. Mais des fois, ça fonctionne comme ça aussi. Oui. Est-ce que la présence de Céline Galipo, est-ce que c'est ma coiffure qui est pareille comme elle? Est-ce que c'est mon intérêt pour les choses internationales? Madame Galipo? Non, man, tout le monde me dit Madame Galipo, est-ce que... Fuck, man! Triste que tu ressembles à Céline Galipo, man! Toi, faut pas te suivre, par exemple!